C'est bon, on nous entend là ? Ah oui. Voilà, non, c'est bon. Normalement, ouais. Bienvenue dans cette première demi-finale homme. Leandre Olivier qui tombe court. Très belle contre-attaque, hein. Très belle contre-attaque. Avec notamment Benjamin qui était parti en flèche, hein, front de piste. Mais Leandre qui a réussi à utiliser son allonge pour faire la contre-attaque. Qui tente court, qui tente la contre-attaque peut-être un petit peu trop rapidement. Et Benjamin du coup qui met l'attaque. Le score est 2. 11 à 3. 11 à 3, ouais. Benjamin Dussert là, qui est plutôt en difficulté, hein, sur ce début de match. Leandre qui maîtrise ce match, hein, pour l'instant. Dans les 4 mètres, même en dehors, des choix, et il utilise bien son allonge, quoi. Et l'arbitre qui donne la touche pour Leandre. 3. Leandre qui part à l'attaque, du cercle qui défend bien. Mais Leandre qui part en flèche, en fléchette, qui met la touche. C'est bien travaillé, c'est encore une fois, hein, il gagne la priorité, il pousse fond de piste et il arrive à finir 13-3. Très très belle parade de Benjamin Dussert qui nous sort une très belle seconde, hein, sur ce coup-là. Léon qui tombe un peu court, qui travaille encore, hein, avec son allonge. Il embête bien Benjamin. Mais là il n'arrive pas à mettre la contre-attaque. Attaque de gauche du coup pour Benjamin Dussert. Le score est de 13-5. Hein, Léandre qui conserve une large avance. L'arbitre estime que c'est Leandre qui s'arrête en dernier, que c'est lui qui fait l'attaque qui s'arrête, et du coup que c'est à Benjamin de repartir. Il donne la touche pour Benjamin. Leandre qui n'est pas forcément d'accord avec cette décision, qui cherche à comprendre un peu. Stress, ouais. Leandre qui tombe encore un peu court, hein. Qui défend, il garde bien son sable devant là, encore une fois. Il travaille bien, mais Benjamin qui arrive à finir quand même, hein. Leandre était quand même plutôt mal embarqué en fond de piste. Il a tenté la parade, mais. Leandre qui prend l'avantage encore une fois dans les jambes. Sur les jambes. Et une très belle attaque offerte. Encore une fois, il utilise vraiment tout son gabarit en fond de piste. Avec une belle allonge, belle fente, belle attaque. 14-7. Très belle attaque sur préparation, encore une fois. Benjamin qui part peut-être un peu trop fort sur les jambes. Petite faute du bras et Leandre qui arrive, qui sanctionne directement. Victoire 15-7 du coup de Leandre qui décroche le premier ticket pour les finales des France U23. Il a été très très bon dans son match, qu'il a maîtrisé de A à Z. Une deuxième partie où il a pris un peu plus de touches, mais on a toujours senti une sérénité et une maîtrise assez, assez impressionnante dans son match. Benjamin Dussert qui méritait pourtant, il avait fait un beau quart de finale où il avait remonté, mais l'expérience de Leandre a payé. C'est une très belle victoire, complètement maîtrisée, complètement méritée et maîtrisée pour Leandre.